Alors, on va commencer par le premier morceau de plante, sans doute le plus visible, la feuille. La feuille est constituée de plusieurs parties. Le limbe est plat et porte une nervation ramifiée. Tandis que le pétiole, qui relie le limbe à la tige, est lui fait de nervures parallèles qui raccordent à la tige la nervation de la feuille. Et puis, il y a deux choses à la base de la feuille, à la base du pétiole. D'abord, un petit bourgeon qui permet de savoir où commence la feuille d'ailleurs. Un petit bourgeon qui pourra donner une ramification. Et puis, dans certains cas, il y a des stipules, c'est-à-dire des petites expansions latérales de la feuille. Ça, c'est la structure. Maintenant, quel est le rôle de la feuille? La feuille est d'abord un récepteur de lumière et deuxièmement, un évaporateur. Voyons cela. Au niveau de la feuille, il y a réception de l'énergie solaire et ça va permettre la photosynthèse. Grâce aux nervures, arrivent de l'eau et des sels minéraux dans la feuille et repartent les sucres qui sont fabriqués via le pétiole vers la tige. Ça, c'est la photosynthèse. Mais encore faut-il que la sève qui arrive des racines amène l'eau et les sels minéraux dans la feuille. Et ça, ça s'opère grâce à une fonction, j'allais dire, d'évaporation, de séchage de la plante. On sait bien que sous les plantes, comme les arbres, ou quand on met les fesses dans l'herbe, il fait un petit peu frais. Il y a une évaporation de l'eau qui se produit par des micro-trous situés à la face inférieure de la feuille. Et le second rôle de la feuille, c'est de permettre cette évaporation de l'eau qui va aspirer la sève depuis les racines, aspirer la sève montante. La feuille est aussi le lieu d'une interaction avec le monde animal. D'abord, il y a des interactions symbiotiques. Par exemple, sur cette feuille de vigne, quand je la retourne, ou plus encore, quand je prends une feuille de tilleul et que je la retourne, on voit très bien des touffes de poils à la divergence des nervures qui sont des protections pour des acariens qui viennent habiter là, qui viennent se protéger à l'intérieur de ces touffes de poils qu'on appelle des domaties. Et ces acariens-là, ils vont de temps à autre sortir de leurs touffes de poils pour aller manger des petites germinations de champignons, d'autres acariens qui viennent attaquer la feuille, bref, ils vont la protéger. On a aussi, par exemple sur cette feuille ici de prunier, de prunus, on a des petites glandes qui sécrètent du sucre et qui vont attirer des fourmis protectrices qui sont ici situées sur le pétiole. Donc il y a à la fois des relations mutualistes à bénéfice réciproque qui s'opère dans la feuille, mais il y a aussi des interactions, comme par exemple sur cette feuille de lierre, qui sont liées plutôt à la prédation. On a très souvent, comme sur ce lierre ici, des feuilles avec des dessins, des ornements, et c'est souvent associé à une toxicité. Ces ornements vont permettre aux animaux de mémoriser que cette feuille a un goût désagréable ou bien a une certaine toxicité. Ce sont des ornements qui sont associés à des caractéristiques qui vont être négatives pour les herbivores et éviter le broutage. Alors, la feuille a une vie après la mort. Quand elle tombe au sol, elle amène là des restes de cellules et notamment de l'azote, du phosphate, tout un tas de sels minéraux qui vont être petit à petit libérés et contribuer à la fertilité du sol. Et puis, elle amène aussi la matière organique qui va constituer le sol. En d'autres termes, la feuille continue sa vie après la mort dans l'écosystème sol et elle va contribuer d'ailleurs à nourrir les futures plantes. En plus de leur rôle habituel, les feuilles en milieu tropical se retrouvent confrontées à un autre problème qui explique que très souvent elles se ressemblent. Cette feuille d'hibiscus, par exemple, ressemble fortement à cette feuille de ficus. Les deux feuilles sont à la fois très fortement vernissées, ovales et avec une petite pointe terminale. En réalité, les plantes tropicales et surtout les arbres sont confrontées à de très fortes pluies. Et dans les milieux au moins où il y a de très fortes pluies, l'eau pose deux problèmes. Il ne faut pas qu'elle rentre dans la feuille dont elle lessiverait le contenu. D'où ces surfaces très lisses, très épaisses, faites d'une cuticule qui empêche l'eau de rentrer. Et d'autre part, il ne faut pas que l'eau s'accumule dans la canopée parce que sinon, sous l'effet du poids, l'arbre pourrait casser ou des branches pourraient s'écrouler. Et donc, on a un bord très lisse qui conduit les gouttes jusqu'à une pointe par laquelle elles s'égouttent. En fait,
ces feuilles évitent que l'eau ne rentre dedans et ne s'accumule dessus. Elles sont adaptées à des pluies importantes.